album photo. Eh ben, c'était un dimanche, comme aujourd'hui. Ah, on était des enfants. Toi, petit Louis, le petit bout de maïs, et moi, Jean-Jean, la mauvaise soupe. Toi qui riais pour rien, et moi, qui m'indignais pour tout. Ah, je me souviens encore de tes rires farceurs et de mes cris de révolte. Alors ta famille, elle avait décidé de nous inviter dans votre trou pourri, partager du bouillon fallace et une vieille poule, alors toute dure. Qu'est-ce que c'était dégueulasse. Alors d'abord, il y avait ta mère, Louise, le courant d'air, un coup fourneau à cuir, allez, un coup clapier éborgé. Et en passant, là, t'en foutais une belle. Mais bon, pareil que tu le méritais. Hein, petit salaud. T'étais le petit dernier. Mais elle en voulait pas de toi. Enfin, c'est ce qu'elle disait. Elle pleurait. C'était pas vraiment la vie qu'elle imaginait. Mais dans le fond, c'était pas de ta faute. Ni de la sienne, d'ailleurs. Vous pleuriez tous les deux. Qui sait ? Peut-être que derrière vos larmes, il y avait un peu d'amour. Qui sait? Oh, ta maman, elle n'avait pas le temps pour vous tous. Hein. Elle n'est pas en place. Une façon peut-être d'éviter de penser à sa vie. Mais tout ça, tu ne pouvais pas le savoir. T'étais qu'un enfant. Et puis, il y a ma mère, Jeanne. La désenchantée et son prince décharmant, mon père, Jean. Oh, c'est sûr, elle n'est pas restée avec lui pour ses blagues à répétition, ni pour sa clairvoyance. Bah, c'était une autre époque. Elle avait une bonne situation, mon père, au point qu'il s'aveuglait complètement. Il n'a jamais voulu voir dans quel merdier le monde s'embourbait. Et elle s'inquiétait de tout. Ça la faisait grossir. Tu l'aurais vu à la fin, je la faisais rouler pour la mettre à table. Elle voyait le mal partout. Une angoissée, ma mère. Alors lui, par contre, le mec, il voyait rien du tout. Hein. Ou plutôt, il voulait rien voir. Vivons heureux. Ouais. Vivons aveugles et sourds. En tout cas, Louis, là, ton vieux, il avait l'air d'en avoir trop vu. Il était d'avoir été. Mais bon, tu l'aimais. Puis te racontait volontiers son passé en mer. Ça te fascinait. Hein. Faut dire que le reste du temps, le bougre, ouais, il était pas très loquace. Hein. Il avait le mot rare. Alors quand il daignait ouvrir la bouche, toi, tu précipitais une oreille. Était-ce un poète silencieux ou un muet délicieux? Quoi qu'il en soit, il brillait par sa transparence. Ouais, je crois qu'il aimait bien ma mère. Et ma mère, cette poule, ouais, je crois qu'elle l'aimait bien aussi. Et quand je pense à la tronche de ta mère, quand elle les voyait côte à côte, j'en ai l'épiderme qui se froisse. Elle leur jetait un regard qui aurait pu refroidir le plus brûlant des volcans. Des yeux qui s'illuminaient devant la silhouette de mon paternel. Derrière lui s'étendait son ombre. Et moi qui essayais de pas m'y noyer. Ah, nos pauvres parents et leurs histoires de cul. Ben, jadis, les tiens, ils ont dû s'aimer comme des débutants transis. Mais ça se conjugue aujourd'hui au plus qu'imparfait. Quant aux miens, ils ont toujours essayé de sauver les apparences, au point qu'à travers la façade, on pouvait voir le vide de leurs sentiments. Bref, c'était des histoires d'adultes. Là, le gros Louis,
Et même de dos, on voit rougir ses joues. Alors si toi t'étais un petit colibri, toujours au gré du vent, à suivre les courants chauds et tournants, alors lui c'était la taupe, à l'abri des tempêtes, toujours à ras du sol, seul à jouer aux billes, à des billes aussi rondes que lui. Hein. Premier garçon, donc le chouchou, normal, il mangeait tout ce qu'elle lui donnait, même si c'était infect. Hein. Ouais, il était plutôt drôle, puis il était facile à vivre, le garçon. Ouais, et ben de mon côté, c'était la grand-mère qui aimait bien bouffer. La fierté de mon père, et le fardeau de ma mère. L'un ne la voyait pas vieillir, et l'autre, ben elle attendait qu'elle y passe. La pauvre, elle entendait que dalle. La seule chose qui s'échappait de sa bouche fatiguée, c'était le cri sourd et tremblant des trompettes de la mort. Et ça faisait des heureuses, heureuses. Alors ça, c'est drôle de père, hein. Genre duo un peu louche. Ton frère et ta sœur, les jumeaux. Louison, elle, Louison, lui. Alors, ils étaient toujours à se donner la main. Ouais, comme des amoureux, hein. Ou comme disait ta mère, comme des anormaux. Moi, j'ai jamais vraiment pu les cerner, ces deux-là. J'avais l'impression de voir double. Ils avaient leur monde à eux, toujours ensemble, toujours. Moi, j'avais peu de choses en commun avec ma sœur, Jeannette, la mignonnette. Sur son visage, le rose sage de ses joues trahissait le bleu malicieux de ses yeux, aussi docile qu'ingénue. Elle avait le don de plaire à tout le monde. À cet âge-là, elle voulait se marier avec papa. Ouais, bah, chaque famille, c'est bizarre. Heureusement, elle a grandi. Trop vite, peut-être. Comme ta chère sœur, Louisette, et ses hauts talons, durement arrachés aux pieds de sa mère. Une grande sœur, comme toi, avec un petit peu le goût de la provoque, hein. C'était presque une seconde maman pour toi. Comme nous, elle voulait partir. Elle rêvait d'une vie plus palpitante, une vie de femme qui s'éveille. Avec sa soif d'amour et de liberté au fond du ventre, elle s'apprêtait à partir. Ailleurs, dans les bras de son Jean-Louis. Mon grand frère, le militaire, la fierté de nos deux familles. Mon père voyait en lui tous les honneurs qu'il aurait voulu avoir. Et ton père, il voyait l'homme qu'il aurait voulu être. Louisette et Jean-Louis. La seule chose qu'avait le bon goût des framboises à la crème. À côté d'eux, on avait à peine l'odeur d'un bouillon de caniveau. Ils s'aimaient comme la moule et le rocher, comme le sable et l'écume. Un beau jour, ouais, il y avait du soleil. Jean-Louis est parti. Oh, c'était pas pour jouer à des jeux d'enfants qui a été arraché à nous par les honneurs. Là-bas, on mourait pour de vrai, pour un serment, pour un mensonge, pour une erreur, au soleil ou sous la pluie. Des enfants apeurés, poussés par des parents aveuglés, s'allongeaient, terrorisés, sur la terre rouge, inertes, à loin de nos tables dressées, nappé de blanc,
fleurie de rires et de chants. Louisette, elle s'en est jamais remise. Et un beau jour, ouais, il pleuvait, elle est partie, pour de bon, toute seule, avec ses hauts talons. On a lu 8 textes, dont celui de, c'est écrit encore, voilà, La Baille, de Philippe Adrien. Alors surtout, ne me demandez pas, La Baille, qu'est-ce que ça veut dire, parce que je vous répondrai, ben, c'est le titre du spectacle. Et c'est une pièce qui nous sembla propice à une nouvelle aventure théâtrale. Pourquoi ? Ben parce que La Fontaine qu'elle y laisse, c'était une espèce de fresque quasi historique. On côtoyait les grands, Louis XIV, Colbert, la Maintenon, Fouquet, la Madame de la Sablière, ici présente. Avec La Baille, ben, on va revenir au quotidien, hein, dans le cadre d'une espèce de huis clos familial, vous avez vu les familles. C'est le retour chez les petites gens, ceux qui sont très 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 éloignés de nos élites. Hein. Qui mènent une existence faite de toutes petites choses, mais simple et surtout très respectable. Bon, bah, bien sûr, cette pièce, elle va mettre un petit peu en saccage la cellule familiale classique, hein, ça c'est sûr, mais c'est vraiment en rupture totale avec le spectacle de l'année dernière. Et ils vont se rencontrer au travers d'un repas dominical, et on va commencer à s'échanger des banalités, mais des banalités à propos du repas, de la famille, du passé, de la petite vie qu'on mène, de la guerre aussi. Dans l'ombre de tout ça, il y a la guerre qui n'est pas loin, quoi. Alors c'est une réunion de famille, avec des crocs en jambes, des petites perfidies, mais aussi beaucoup d'instants de tendresse, des petites cruautés aussi. Alors c'est grinçant, c'est touchant, c'est drôle, c'est jubilatoire, et c'est jamais méchant. Hein. On va rire de ce désastre heureux, je pourrais dire. Ils sont touchants, ces gens-là. Alors ça sera ici à partir du 13 mars prochain, et c'est un petit peu grâce à vous, parce que vous nous supportez quand même déjà depuis 45 ans. Oui, je sais, je ne sais pas, mais quand même, ça fait 45 ans. Et puis, on n'existerait pas sans cette magnifique, grande, belle équipe du Théâtre. Merci à vous tous. Je voudrais saluer systématiquement, en début d'année, il y a une cérémonie des vœux, et à chaque fois, je pense que vous méritez le prix de l'originalité pour présenter vos vœux. Puis également, originalité pour les conférences de presse. Je vous avoue, il m'arrive d'en réaliser quelques-unes, et je ne fais rarement preuve d'autant d'originalité que vous pouvez le faire aujourd'hui, et j'en excuse d'ores et déjà, j'en excuse auprès des journalistes qui sont d'ailleurs venus nombreux pour justement eh bien, faire part de votre initiative, de vos représentations qui vont avoir bientôt lieu et pour lesquelles vous travaillez depuis maintenant un petit bout de temps. En 2019, ça a très fortement marché, nous-mêmes on a eu plaisir à la ville de pouvoir montrer des extraits à d'autres moments, en particulier pendant l'inauguration du Palais des Rencontres, et puis également pendant les fêtes Jean de la Fontaine, la pièce s'y prêtait particulièrement. On verra, suivant cette pièce, comment on pourrait l'insérer dans notre programmation culturelle 2020, avec notamment des extraits, mais j'ai absolument aucun doute qu'il y aura un aussi beau succès qu'on a pu le connaître l'an passé, en tout cas, lorsque l'on voit les petits moments que vous nous avez présentés aujourd'hui. Je pense que, comme moi, beaucoup d'entre vous auraient envie de venir très prochainement. Je vais faire court, et donc je vous souhaite à toutes et à tous, au Théâtre, à l'ensemble de l'équipe, à Jean-Marc, et puis à tous ceux qui mettent beaucoup d'énergie et de temps pour faire transmettre tout simplement cette passion, en particulier aux plus jeunes, on l'a entendu ici, et bien tous mes voeux de bonheur, de santé, et puis de réussite. Bonne année à tous. Merci.